Bienvenue sur le premier DVD-ROM de ma collection, consacré aux animaux parasites et aux conseils aux voyageurs. Nous sommes sur la page d'accueil, qui inclut un disque et un bandeau de présentation. Je vous propose une immersion de quelques minutes dans un monde étrange et surprenant, en parcourant ce document numérique qui comporte 48 planches interactives, renfermant 576 photomontages. Ces derniers intègrent à leur tour des milliers de photographies, pour la plupart inédites, des croquis et des centaines de pages de textes d'accompagnement, ainsi que des clips vidéo pris sur le vif. Au total, ce sont non moins de 30 thèmes généraux qui ont été abordés. Commençons notre visite, si vous le voulez bien, en nous rendant sur le bandeau de présentation. En cliquant sur l'onglet « Aide », vous pourrez vous familiariser plus rapidement à la navigation virtuelle, que j'ai voulu la plus simple possible. Pour revenir à chaque fois sur la page d'accueil, il suffira de cliquer sur cet onglet, symbolisant l'arborescence. En cliquant sur l'onglet « Les DVD », vous pourrez avoir un léger aperçu des thèmes qui seront abordés dans l'ensemble de ma collection. En cliquant sur l'onglet « Intro Amazonie », vous obtiendrez une foule d'informations essentielles listées sur 30 pages sur l'Amazonie et sur la région de Guyane. Enfin, en cliquant tour à tour sur les onglets « Vidéo » et « L'auteur », vous pourrez mieux comprendre mes objectifs et cerner mon parcours de voyageur naturaliste. Les textes de présentation sont accompagnés de 12 planches photographiques me présentant dans diverses situations et spécialités, avec une possibilité de zoom proper. Allons maintenant sur le disque. Comme on peut le visualiser, il se compose de deux grandes parties distinctes, la première partie, parasitologie, et la deuxième partie, conseil aux voyageurs. La première partie comprend 32 planches interactives, activées par ordre numérique de 1 à 32, tandis que la deuxième partie comprend 16 planches interactives, activées quant à elles par ordre alphabétique de A à I3. Chaque planche renvoie un thème particulier. Suivant le thème retenu, celui-ci peut contenir une ou plusieurs planches. Prenons la partie 1, parasitologie. Tout à gauche, on pourra avoir des informations pratiques en se rendant sur l'un des trois textes disponibles, présentation générale, introduction à la parasitologie et présentation du DVD. Allons maintenant à droite pour avoir directement accès aux planches interactives qui se divisent en 5 grands volets. Les invertébrés ectoparasites, les autres invertébrés d'intérêt médical, les helminthes, les vertébrés ectoparasites et les autres vertébrés d'intérêt médical. Choisissons pour exemple parmi les invertébrés ectoparasites et plus spécifiquement parmi les insectes, les phlébotomes, vecteurs de Leishmaniose. Pour connaître la place des phlébotomes dans la classification zoologique, on pourra cliquer sur l'onglet Z. Positionné à côté de l'onglet relatif aux phlébotomes, on notera la présence d'un autre onglet matérialisant une vidéo relative à ce thème, l'une des 15 vidéos intégrées dans ce DVD. Allons maintenant sur phlébotomes. Nous sommes dans la planche interactive numéro 7, l'une des deux planches avec la numéro 8 concernant ces insectes. Cliquons sur le photomontage numéro 3 intitulé « La Leishmaniose cutanée ». En haut à droite de la page se trouve une fenêtre dans laquelle apparaissent les thèmes concernés. En rouge, il s'agit du thème propre à la planche ouverte. On remarque au centre de l'écran le même photomontage que celui sélectionné mais de taille supérieure, avec, plus bas, inséré dans une autre fenêtre, un texte le concernant. Pour zoomer sur cette imagette de taille intermédiaire, il suffit de cliquer sur l'onglet Zoom, symbolisé par une loupe dans la barre des tâches intégrée. Pour revenir sur la planche interactive, on clique sur l'image. Pour avancer ou reculer, rien de plus simple. En allant soit sur l'onglet symbolisé par un seul triangle, pour passer d'un photomontage à un autre, soit sur celui représenté par un double triangle, pour passer d'une planche interactive à une autre. De retour sur la fenêtre texte, on peut voir de haut en bas et de gauche à droite des onglets se rapportant aux rubriques suivantes. Nom vernaculaire, qui renvoie, lorsque cela était possible, au nom commun utilisé dans un pays ou dans une région, utile pour éviter les confusions pour une espèce ou pour un groupe d'espèces données. Bibliographie, qui fait référence aux publications ayant servi de base à cette étude. Le contenu de ces deux rubriques est commun à toutes les planches de la partie 1, sauf la dernière. Glossaire, qui donne la définition des terminologies médicales ou scientifiques utilisées dans toute la collection. Et enfin,
texte complet, qui permet la lecture de tous les textes d'une même planche pour une meilleure compréhension globale. Terminons maintenant par la partie 2, conseil aux voyageurs, qui se compose de deux grands volets, que sont les généralités et les risques potentiels. Choisissons pour exemple le thème « Contact avec les populations locales » et allons sur la planche B1, l'une des deux planches avec la B2 qui lui est consacrée. On notera seulement que la rubrique non vernaculaire est remplacée ici par recommandation d'une importance capitale pour le voyageur désireux de préserver sa santé. Le contenu des rubriques recommandations et bibliographie est commun à toutes les planches de cette seconde partie. Cliquons sur le photomontage numéro 12 intitulé « La menace de la colonisation incontrôlée ». Sur le plan de la navigation, le principe de fonctionnement reste le même que celui vu précédemment pour les animaux parasites. Enfin, pour terminer la visualisation du DVD, on pourra cliquer sur l'onglet « Quitter » situé en bas à droite ou dans la page d'accueil en haut à droite ou encore, pour gagner du temps, appuyer sur la touche « Échappe » de son clavier d'ordinateur. J'espère que cette démonstration vous aura permis de mieux appréhender mon travail et vous incitera à une visite plus complète et plus enrichissante de ce DVD-ROM. Merci et à bientôt sur mon site.